très beau. Je peux pas nier que ben, mon temps est précieux et que j'ai pas envie d'investir du temps pour un homme aussi beau soit-il qui m'envoie hello. Parce que des mecs qui m'envoient hello, j'en ai plein. Et je préfère largement un mec qui va être peut-être moins beau, mais qui va oser ben, se démarquer, plutôt que quelqu'un qui n'apporte aucune valeur à la conversation et qui envoie quelque chose qu'il aurait pu envoyer à toutes les femmes. Parce que là, ce que ça me sous-communique, ce message, c'est que cet homme ne fait aucune différence entre les profils qu'il like. Hello, tu vas bien, hey, magnifique, t'es là, avec une énorme faute d'orthographe, hein, juste le T en fait, et un petit smiley pervers. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? S'il avait simplement fait une remarque sur mon profil, je me serais déjà davantage investie. Donc ce que j'avais envie de vous dire avec cette interaction, c'est que le physique ne fait pas tout. J'aurais préféré que ce jeune homme mette en avant son charme, et aussi beau soit-il, un homme beaucoup moins beau mais qui aurait apporté de la valeur à la conversation, bah, ça m'aurait fait quelque chose. Et là j'aurais répondu. Il y a beaucoup d'hommes bien moins beaux physiquement avec qui j'ai dialogué sur Adopte un mec, parce qu'ils avaient osé me déplaire déjà, et qu'ils avaient osé se démarquer en apportant de la valeur à la conversation. Quand on envoie un mot, trois mots, deux mots, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une femme...